Elle demande du temps, pas forcément beaucoup, mais elle demande un certain temps, utilisation du temps, qui est en tension avec le caractère instantané, simultané, qui est plutôt incité par l'utilisation même des médias sociaux. Et vite fait aussi, on est dans une situation plutôt d'asymétrie informationnelle, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des organisations qui, même quand elles cherchent l'interactivité, cherchent essentiellement à diffuser de l'information, donc ce qu'on appelle une communication asymétrique, unidirectionnelle, et également dans des pratiques de communication des usagers qui vont chercher à prioritairement notamment gagner une certaine bataille de l'image, donc imposer des images marquantes dans l'espace public. Donc on est dans une liberté très relative par rapport à un certain discours qui peut être tenu. On est également sur le plan de l'idée de communauté dans des formes aussi de limites, puisque d'un côté, oui, il y a ces effets de groupe, de regroupement, de rassemblement, mais d'un autre côté, sur les médias sociaux, il y a également une incitation à se personnaliser, c'est-à-dire à s'affirmer en fait comme un individu, à se différencier pour exister. D'un autre côté, il y a aussi une incitation à imiter ou à répéter, en fait, notamment à travers à travers le repartage, une incitation à se conformer pour exister. Donc on est ici en fait dans deux aspects antinomiques finalement pour une même plateforme. Deuxièmement, incitation aussi à la quantification de soi, le quantified self, où finalement on est incité à des stratégies de visibilité, à des stratégies de gain en capital social. Le fameux « si je poste quelque chose, au fur et à mesure, combien j'ai de likes, de repartages, et combien je gagne d'abonnés, et combien j'en perds le lendemain, et combien j'en regagne, etc. » C'est cette chaîne, en fait, où ces cycles de récompenses sont très caractéristiques des médias sociaux et vont de pair avec ce fonctionnement en communauté qui, donc, n'est pas si forcément collectif uniquement que ça. Et troisièmement, donc on est également dans une incitation à la mise en scène de soi. Je passe ici sur les deux autres notions, sinon je ne vais pas avoir le temps. Mais bref, on est dans une culture qu'on peut appeler une culture du spectacle. Ce n'est pas nouveau, mais on est dans un domaine, en tout cas, ou dans un espace médiatique qui y incite fortement, et une culture aussi de la promotion de soi. Sur le plan de l'information, l'un des avantages qui était conçu sur le plan d'utilisation des médias sociaux, c'était que justement on avait un accès plus facile à de l'information pluraliste. Or, ce dont on se rend compte aussi avec les médias sociaux numériques, c'est qu'on est également, on subit, on est exposé à toutes sortes de bruits, c'est-à-dire notamment, et on peut rentrer dans cette catégorie, tout ce qui va concerner les fake news, les rumeurs, la désinformation, les détournements aussi d'informations. Tout ça qui est en fait augmenté ou accentué par les effets de répétition ou de boucle, les fameux mèmes ou mimes qu'on voit circuler, qui sont donc des bribes d'informations en fait reprises, notamment des extraits vidéo qui vont tourner sur tous les médias sociaux. Une fois que ça a tourné sur les médias sociaux, les médias traditionnels nous disent que ça a tourné sur les médias sociaux, puis les médias sociaux redisent que les médias traditionnels ont parlé du fait que ça avait tourné sur les médias sociaux. Donc, cette boucle, en fait, il y a une espèce de multiplication exponentielle qui se fait, qui est rendue aussi problématique par une identification difficile des sources. Je pense ici notamment aux côtés des avatars ou des faux comptes. Notamment, on peut penser aux bots, mais on peut penser aussi au phénomène de l'astroturfing, c'est-à-dire les cas où une identité citoyenne est usurpée par une entreprise ou un parti politique ou des intérêts particuliers. Alors, c'est pas nouveau, c'est un peu le même système que lorsque un député recevait la lettre d'un citoyen lambda se plaignant de telle ou telle situation dans sa circonscription, mais qu'en fait, derrière le citoyen qui avait signé, se trouvait une organisation politique ou des intérêts privés, une entreprise, etc., qui, finalement, avait des intérêts dans l'aspect de la plainte citoyenne qui allait être reçue par le pouvoir politique. Dans les bruits rentrent aussi, enfin du moins j'inclus ici, les attaques ad hominem, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre d'attaques personnelles lancées à l'encontre de certains internautes ou de certaines personnalités,
sans craindre nécessairement de conséquences parce qu'on est sur un espace libre qui fonctionne à part, c'est-à-dire à part, le à part étant en ligne. Donc il y a une difficile hiérarchisation des faits et des opinions, la distinction entre les deux devient peut-être plus difficile. Il y a également dans l'utilisation des médias sociaux une forte injonction à la transparence. On parle de la transparence, on veut avoir accès à toute l'information, etc. Or, si on prend le cas, par exemple, de l'astroturfing ou des bots ou des faux comptes, on est au contraire dans une absence totale de transparence et plutôt dans un flou qui fait en sorte que la responsabilité ou l'imputabilité liée, par exemple, à une fausse information est limitée et que ça contribue à instaurer notamment une certaine culture de la défiance. Et qu'à la limite, la seule chose en laquelle les internautes pourraient avoir confiance, c'est le fait qu'il faut se méfier potentiellement de tout. J'ai mis ici un schéma très artistique sur, juste avec incluant la fumée et du feu, mais c'est la fameuse expression qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose a circulé, potentiellement une croyance s'installe que ça n'a pas circulé pour rien. C'est peut-être pas complètement vrai, mais quand même, on n'en aurait pas parlé s'il n'y avait pas un petit peu d'éléments de vrai. D'où la difficulté donc à contrer, à corriger en fait la désinformation, d'où potentiellement aussi des effets de silence. En fait, paradoxalement, au milieu de tout ce bruit, on peut penser que justement des phénomènes comme les bulles informationnelles, c'est-à-dire ces communautés presque fermées qui vont finalement les unes les autres s'encourager dans une même forme d'opinion à partir d'une même base d'informations, qu'il y a également des reprises et des partages donc exponentiels de bribes d'informations, que comme je le disais, tout ce qui est de l'ordre de l'instantanéité ou de la simultanéité va à l'encontre d'un temps d'analyse, de réflexion, de correction de l'information, que d'un autre côté, ce qui a été écrit, même si c'était une fausseté au départ, reste quelque part indélébile, quand même c'est passé dans Snapchat et que ça a été détruit par après, une capture d'écran aura eu lieu qui fait en sorte qu'on retrouvera cette même erreur, en fait, restant dans l'espace public numérique. Et enfin, autre effet de silence, c'est la polarisation des débats qui fait en sorte que donc, entre les extrêmes, le temps de considération plus modéré des arguments de part et d'autre est beaucoup plus limité, ce qui entraîne donc une forme en fait de cristallisation du pour ou contre. Se pose donc, en termes démocratiques, la question d'une forme de tyrannie du nombre potentiellement, avec notamment la pression sociale qui fera en sorte qu'une opinion perçue comme étant majoritaire sur les médias sociaux ou qui est relayée par les médias traditionnels comme étant potentiellement majoritaire sur les médias sociaux, devient alors, pour une partie de l'opinion publique qui était peut-être dans les faits majoritaire, l'opinion à laquelle finalement elle ne peut pas échapper. Donc ce qui fait en sorte que potentiellement il y a une forme de peur d'isolation ou d'exclusion qui peut se créer et faire en sorte qu'il y a une adhésion à certains, à certaines idées, à certains arguments qui peut se faire par défaut. Et ici, on se retrouve en fait dans des phénomènes de renforcement de stéréotypes, dans des biais de reconnaissance ou de confirmation qui fait en sorte qu'on va vers des énoncés, vers des faits qui concordent avec nos visions du monde ou avec des convictions qu'on a acquis ou qu'on a été incité à acquérir parce que justement on a pensé que c'était ce qu'il fallait penser ou en tout cas ce qu'il fallait considérer comme étant valable socialement actuellement. Pour finir, je ne sais pas du tout, c'est parfait. Alors, dernière diapo en une minute. Je disais au début qu'on peut se poser donc la question de la nature démocratique même des médias sociaux. On ne peut pas nier que l'utilisation des médias sociaux fait en sorte qu'il y a eu un, enfin, ou du moins montre qu'ils ont un potentiel et un rôle certain à jouer et qu'ils jouent dans les débats publics. Ça a été documenté à de nombreuses reprises, notamment en termes de contestation populaire et citoyenne. Mais cela dit, les médias sociaux restent aussi des plateformes qui sont vouées à la commercialisation des données personnelles. Également qu'ils accentuent, ou en tout cas ils contribuent et s'inscrivent dans une forme de société du spectacle. On est dans
plutôt une forme en fait d'organisation communicationnelle qui est proche du ludique plutôt que d'une forme qui est faite pour de la délibération collective. On est aussi dans quelque chose qui renforce une forme de société du jugement, avec des réglementations qui sont fluctuantes selon les régions du monde, mais également selon les types d'acteurs qui participent à ces processus socio-numériques, et qu'on peut se poser la question aussi, ici je fais une petite allusion à Habermas, au principe d'éthique de la discussion, qui semble assez variable et lacunaire, c'est-à-dire que où les principes justement d'universalité, de coopération et de participation ne semblent pas nécessairement pouvoir disposer d'un espace adéquat en fait sur ces espaces socio-numériques là pour se dérouler correctement. Donc on est finalement dans des injonctions paradoxales entre participer, être ensemble, se montrer tout seul, donner une opinion, partager finalement systématiquement, et ces risques de dérive-là ou ces paradoxes-là incitent, je pense, et je pense que ça rejoint un petit peu le propos de ce matin, mais à inventer des balises ou à s'habituer à marcher sur un tapis roulant, je crois que c'était. Mais en fait, c'est ce qui était dit ce matin à propos justement de la réglementation sur un plan plus juridique, ça vaut également en fait sur la réflexion démocratique à l'égard des médias sociaux et sur le fonctionnement même du débat public et du débat démocratique, parce que on observe des formes qui sont nouvelles mais qui ne concordent pas forcément avec les impératifs de la démocratie, mais qui en même temps permettent une forme d'expression qui jusque-là n'était pas forcément possible. Alors voilà, je vous laisse avec ces belles questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Nadège Brousteau. Que je rappelle, vous êtes titulaire de la chaire de communication publique de l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes aussi professeur à cette même université, mais vous êtes aussi professeur associé à l'Université de Québec à Montréal. Vous êtes titulaire d'un doctorat en communication publique et journalisme politique. Vous l'avez obtenu à l'Université de Laval au Canada, ainsi que d'une maîtrise en communication publique de la même université. Et vous avez aussi une maîtrise en sciences de l'information et de la communication, finalité journalisme. Et là, vous l'avez obtenu en France, à Bordeaux. Et donc, vous exercez dans pas mal de centres de recherche. Je cite un centre de recherche sur l'information et la communication. Et je vous remercie par votre présence, mais aussi par cette agréable communication, présentation sur les réseaux sociaux et démocratie. Alors, nous passerons au deuxième conférencier, qui est un Alaoui, qui est Monsieur Abdallah Ould Abba, qui est, on va dire, marocain, mais mauritanien, professeur de philosophie et des sciences sociales de l'Université de Nouakchott en Mauritanie. À vous la parole. Alors, je signale aussi que nous avons Maître Brahim Bouabid, qui est membre de la CNDP et qui est le rapporteur de cette séance, qui est un juriste international. Et je le remercie pour prendre des notes. Bismillah, excusez-moi, je vais présenter ma communication en arabe par souci d'équilibre linguistique dans cette salle. في الحقيقة الزميلة التي تحدثت قبلي مهدت لي الطريق في الحديث حول موضوع الديمقراطية وشبكات التواصل الاجتماعي. وسيكون حديثنا متقاربا من حيث المرجعيات وإن اختلف من حيث المنهجية. وأبدأ بالإشارة إلى ما تقدمت به من أن هذه الثقافة الإلكترونية الجديدة قد اعتبر في لحظة ما أنها ستكون مدخلا لتحقيق هذه الأمنية الكبرى التي هي تحرير المجال العمومي. باعتبار أن المجال العمومي وتحرير النقاش
التداول في المجال العمومي هو الشرط الأنسب وأكثر فعالية لتحقيق الديمقراطية في أبعادها الثلاثة التي هي البعد المشاركة وبعد التداول وبعد التمثيل. أشير فقط إلى كتاب كان صدر سنة 1990 في بداية هذه الثورة وكتبه فيلسوف إيطالي معروف اسمه جاني فاتيمو بعنوان مجتمع الشفافية لا سوسيتي دو ترانسبارانس، وقد اعتبر فيه أن هذه الثورة الاتصالية الجديدة ستمهد لهذا المفهوم الجديد للواقع، أي الواقع المتعدد بدل هذا التصور المفروض الإكراهي للواقع الذي هو تصور السلطة المهيمنة. ولكن التساؤلات التي طرحت زميلتنا تمهد الطريق إلى بعض من النقد وبعض من الشك في هذه المقاربة التي كانت سائدة. وهنا سأطرح ثلاث إشكالات بصفة مختصرة. الإشكالية الأولى، هل يعني هذا التشابك الأفقي، cette connection verticale، هذا التشابك الأفقي، هل يعني فتح الاتصال، هل هناك ترادف ما بين التشابك الأفقي والاتصال المفتوح والحر وغير المقيد؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تعني وفرة المعلومة القدرة على بلوغ الحقيقة وكشف المستور منها؟ والإشكالية الثالثة، هل يعني المجتمع، هل يفضي المجتمع الرقمي إلى تكثيف الثقافة الديمقراطية والوصول إلى الحقيقة بمفهومها العمومي الذي هو مجال السياسة؟ أبدأ بالإشارة الأولى أو بالإشكالية الأولى التي هي التشابك والاتصال. أشير إلى ملاحظتين قدمها، واسمحوا لي أنا هنا ستكون حالاتي كلها للفلاسفة بحكم التخصص، إلى فيلسوف أيضا اشتهر بالبحث في مجال الاتصال وهو ميشيل سارخ، الذي لاحظ أن مفهوم التوزيع التعددي لا ديستريبيسيون بلوراليست أخذ اليوم في الحضارة المعاصرة مفهوم التركز والتجميع لا كونسنتراسيون، بمعنى أن الحضارة الصناعية التقليدية كانت تقوم على التجميع والتركيز حتى على المستوى الاقتصادي المصنع، على المستوى التربوي المدرسة والجامعة، على المستوى السياسي الدولة القومية إلى آخره. مفهوم التوزيع التعددي البارتيسيباسيون بلوراليست لا يعني بالنسبة لميشيل سار الاتصال غير المقيد، فليست هناك علاقة استتباعية ضرورية بين هذه القدرة على التوزيع التعددي وبين تحرير الاتصال هذا المجتمع الشفافية المطلوب. لماذا؟ لأن الاتصال يقوم على التاريخ والثقافة والمتخيل، أما التواصل فهو مفهوم مكاني يعني التجاور في الشبكة ولا يعني الاتصال الحقيقي الذي هو مفهوم ثقافي وأنثروبولوجي وليس مفهوما تقنيا محدودا. ما هي نتيجة من هذه الملاحظة التي تقدم بها ميشيل سار؟ الملاحظة هي أن هذا المفهوم الجديد للتواصل عن طريق التوزيع التعددي سيؤثر على هذه الثلاثية الكبرى التي قامت عليها الحداثة، لأن الحداثة قامت على تمييز ثلاثي ما بين العامي والخاصي والحميمي، لبيبليك لبريفي الانتيم. العام هو المجال المشترك الذي هو المجال التدبير القانوني للدولة، والخاص هو مجال الحقوق الفردية التي تحميها الدولة، بينما الحميم هو مجال الخاص بمفهومه الذاتي أي السر الدفين الباطني في النفس البشرية الذي لا مجال لتقنينه بل هو من الحقوق الذاتية المصانة. ما الذي نعيشه اليوم؟ نعيشه اتجاها مزدوجا، أولا إلى أن الخاص بدأ يطفو في المجال العمومي، أي أن الموضوعات التي كانت تدخل في المجال الخصوصي تحولت إلى رهان أساسي
من رهانات المجال العمومي. لا أحتاج إلى إشارات كثيرة في هذا المجال، ولكن حتى في بلد مثل فرنسا كان يعتبر بلدا جمهوريا مركزيا، أصبحت الحياة الخاصة للمرشحين والحكام أصبحت جزءا أساسيا من النقاش السياسي العمومي. ولكن الأخطر من ذلك أن الحميمة، أي هذا البعد الحميمي، خرج أيضا إلى الشأن العام. وهذه العبارة، هذه الظاهرة التي سماها ريجيس دوبري لوبسينيتي ديموكراتيك، أي نمط من التكشف أو حتى من الفضائحية الديمقراطية. بمعنى آخر أن السياسة كانت في مجال معين أو كانت في مستوى معين تمثل، تقوم على التواضع، التواضع معنى لا كونفنسيون، أي المجال التواضعي، على الأدوار، على التشريفات، على السحر كما قال ماكس فيبر، هذه المساحة الخارقة السحرية في الشخصية السياسية. وذلك نفس دبري يقول أن نموذج السياسة التقليدي كان المسرح التمثيل، بينما اليوم مع هذه الشفافية وهذه الشفافية المفروضة فقدت السياسة هذه الأبعاد الرمزية وأصبحت نمطا من التكشف أو التعري، ما سماه باستبدادية الحميمي، لا تراني دو لانتيم. هذه ظاهرة خطيرة، لأنها تخلط ما بين البعد العمومي اللي هو لا بيبليسيتي والشفافية، لأن الشفافية ليست مفهوما سياسيا وإنما هي مفهوم ميتافيزيقي، لأن الشفافية معناها أن هناك حقيقة في الأشياء وأن هناك قدرة على الكشف عن هذه الحقيقة من خلال عملية التواصل التقني. ولكن ما نلمسه اليوم هو أن إدخال البعد الحميمي في المجال العمومي أفقد السياسة دلالتها العمومية وتحولت إلى نمط من اللعبة الاستعراضية الكشافية، حيث يلعب السياسي دور الفاعل المتكشف أكثر من الشخصية العمومية. أتي الجانب الثاني المتعلق بالشبكات العمومية والحقيقة. هناك عبارة الآن أصبحت تستخدم على نطاق واسع، بل إنها دخلت قاموس أكسفورد سنة 1996، وهي عبارة ما بعد الحقيقة، لا بوست فيريتي، بوست تروث. هذه العبارة التي أصبحت تعني مفهوما جديدا، لأنها تخرج عن هذا التمييز التقليدي بين الحقيقة والوهم، الذي هو التمييز الذي قامت عليه كل المنظومات المعرفية من العصر اليوناني إلى اليوم. بينما أصبح هناك مفهوم جديد، لا هو الحقيقة ولا هو الوهم، وإنما هو بعد جديد هو ما بعد الحقيقة. لأن هذا المفهوم يلغي هذا التمييز الضروري الذي ذكرته الزميلة بين الوقائع وبين التأويلات. فهناك نوعان من الحقيقة، هناك الحقائق المتعلقة بالحكم وهي حقائق عقلية نصل إليها عن طريق عملية البرهنة والتحقق العقلاني، وهناك الحقائق الفعلية التي هي الحقائق المرتبطة بأحداث أو سياقات تاريخية معينة. فانطلاقا من هذه الثقافة التواصلية الرقمية الأفقية، هناك توجه إلى إلغاء البعد الموضوعي في الحقائق، أي أن تصبح كل الحقيقة هي مجرد تأويلات، وتأويلات لا يمكن التوصل إلى حقيقتها. بمعنى آخر أن عملية التداول العمومي بدون نهاية، عملية التداول العمومي تضعنا أمام أحداث يمكن حتى أن ننشئها. العبارة التي استخدمها الرئيس الأمريكي ترامب أنه يجب إبداع حقائق بديلة، Alternative Acts، يعني نبني حقائق بديلة، نصنع حقائق بديلة، ليست هناك وقائع ثابتة مستقرة، وإنما الحقيقة نفسها
يمكن أن تبدع يمكن أن نتدخل فيها وهذا تحول خطير لأنه بتأثيره على المستوى الديمقراطي أنه سيلغي المفهوم الديمقراطي نفسه الذي هو قائم على عملية البرهنة العمومية أي القدرة على التمييز بين الحقيقة والخطأ التي هي شرط بناء عالم مشترك فهذا هو الشرط الأساسي للديمقراطية هو هذه القدرة على التمييز بين الحقيقة والخطأ من خلال عملية التداول العمومي ولكن عندما نلغي الحقيقة فسينتفي إمكانية بناء هذا العالم المشترك ومن هنا خطورة هذا الإلغاء لمفهوم الحقيقة من خلال عملية التداول الحركي غير المحدود الذي يصنع وقائع بديلة بدل الوقوف عند الحقيقة في بعدها الموضوعي الجدي لا أريد أن أطيل في هذا الأمر ولكن أشير فقط إلى أن أحد الفلاسفة الإيطاليين وهو موريزو فراريس كتب مؤخرا كتابا مهما كتابا صغيرا مهما في هذا الموضوع بعنوان لا بوسفيريتي يعني ما بعد الحقيقة ويبين أن هذا الانتقال إلى العصر الرقمي الجديد أنه نقل مجال الاتصال من الاتصال الأفقي إلى هذا الاتصال الأفقي إلى الاتصال العمودي إلى هذا الاتصال الأفقي الذي يتناسب مع هذا العصر الذي يسماه العصر الوثائقي لاج دوكيمنتال الذي هو يقوم على فكرة أن كل وثائق التي ينتجها الإنسان من معلومات ومن أحاسيس ومن مشاعر أنها يمكن أن تنتقل بصفة تلقائية مباشرة إلى عن طريق هذه الشبكة التواصلية الكثيفة بدون أي إمكانية للتحقق من حقائقها وهذا ما يفضي إلى أن ما يقع في الحقيقة ليس تقاسم المعلومات ولا تقاسم الحقائق وإنما تقاسم الانطباعات والمشاعر بدون أن يكون هناك إمكانية للوصول إلى الحقيقة إذن عندما ينتفي الحقيقة وعندما نصل إلى مفهوم ما بعد الحقيقة فعندئذ تنتفي أي إمكانية لممارسة العقل السياسي بمفهومه البرهاني التداولي نأتي للسؤال الثالث وهو علاقة التواصل الأفقي بالحرية السياسية التي هي المضمون الفعلي للديمقراطية ما نلمسه راهنا مع عصر الشبكات التواصلية الاجتماعية هو ظواهر ثلاثة واضحة يقع الحديث عن الآن في كل الديمقراطيات العتيدة ولا أحكي على الديمقراطيات الناشئة نلاحظ أولا في كل بلدان الديمقراطية أن هناك انهيار شامل الأحزاب التقليدية الكبرى التي كانت تقليديا تؤطر الحياة السياسية ونلاحظ ثانيا عزوف الناخبين عن الانتخابات نسبة المشاركة في كل البلدان الديمقراطية تتضاءل إلى حد غير مسبوق ونلاحظ أن بروز نمط من ديمقراطية الاحتجاج defiance مقابل ديمقراطية الثقة لا confiance أن هناك نمط من الحركة الاحتجاجية بحيث أن حتى الأنظمة التي وصلت عن طريق الانتخابات الديمقراطية التي المفروض أن تكون حل مشكلة الشرعية السياسية أصبحت مرفوضة وملفوظة وأن الحشود المحتجة لا تجد نفسها في هذه الأنظمة وأمامنا الآن في فرنسا حركة لجيلي جون فالسؤال الذي يطرحه هنا اليوم هو كيف يمكن أن هذه شبكات التواصل الاجتماعي التي كانوا يتوقعوا أنها ستكون هي الحاضنة الجديد للديمقراطية التعددية كيف أنها أدت إلى مفارقة كبرى هي أنها ألغت كل الوسائط المؤسسية المنظمة التي كانت تضمن للديمقراطية استقرارها
فما تكشف عليه الآن هذه الاحتجاجات التي تعرفها كل المجتمعات الديمقراطية الكبرى هو أن الذي يتحرك الآن ليس طبقات اجتماعية، بل نحن أمام مواقع اجتماعية، وهي مواقع اجتماعية سيالة ومتنوعة لا تتشكل في شكل فئات لها هوية ثابتة ومصالح مشتركة، بل هي مجموعات تقوم على فكرة التمرد السلبي التي تحتضنها الحشود الغاضبة للجموع المنظمة. كما أن الميدان العموم، الميدان العام بدلالته المادية، قد أخذ موقع المجال العمومي في دلالته القانونية والصورية، ولذلك تجدون أن الميادين العمومية حتى بمفهوم المادي صارت تأخذ مكان المجال العمومي، سواء تعلق الأمر بتعرفون ساحة الجمهورية التي قعد فيها الاحتجاجات، زيكوتي في نيويورك، بوتيا دالابول في مدريد إلى آخره، قبل كان عندنا في القاهرة ميدان التحرير. ففكرة أن المجال العمومي الذي كان فكرة رمزية ترمز للمجال العمومي، ترمز إلى مجال السياسي المشترك، اختفت فكرة المجال العمومي وأصبحنا أمام المادية اليومية للمجال للميدان العمومي. فلأول مرة في التاريخ السياسي أصبح للرأي العام مظهر مادي ملموس. ففي ديمقراطية الرأي كان هناك، ديمقراطية الرأي العام كان هناك ناطقون باسم الجماهير، من صحافة، من إعلام، زعمات سياسية، منتخبون إلى آخره. أما اليوم فقد أصبح الكلام المباشر، الكلام المباشر الذي تبثه شبكات التواصل الاجتماعي شكلا عفويا لهذه الديمقراطية المباشرة، مع ما يجري، مع هذا التحول، مخاطر الإشاعة الكاذبة، الفيك نيوز اللي كنا نحكي عليها، والتأجيج العاطفي، والمعلومة الزائفة، أي ضياع الفاعلية البرهانية في العمل السياسي. فما نعيشه اليوم هو حتى انحصار مفهوم الشرعية الانتخابية، لأن مجالات التواصل العمومي تلغي المفهوم الذي كرسته الديمقراطيات الحديثة حول الشرعية، التي هي شرعية الانتخابات وشرعية الوساطات المؤسسية. فهذا ما يفضي إلى اغتيال فكرة الديمقراطية بمفهومها الحديث. فنحن في الخلاصة أمام ثلاث إشكالات كبرى تضع اليوم الديمقراطيات المعاصرة أمام مشكل جذري. البارحة كنت أقرأ في لوموند تصريحا للرئيس الفرنسي ماكرون، ويقول فيه بصراحة: أنا لست قادرا على حل ما يجري الآن في فرنسا، لأنه أمر يتجاوزني ويتعلق بمشكل جوهري في المنظومة الديمقراطية العالمية. اعتقادي أنه كان على صواب في هذا التحليل، وشكرا. شكرا جزيلا أستاذ السي عبد الله ولد عبة، ليعرف المغرب بطريقة جيدة، كبيرة فيها، كبيرة فيه، ويعرفه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. Alors maintenant nous passons à Madame Chloé Morin. Alors, Madame Chloé Morin est diplômée d'histoire économique et d'économie du développement des Sciences Po Paris et de la London School of Economics. Elle a été conseillère opinion publique des premiers ministres français Jean-Marc Ayrault puis Manuel Valls de 2012 à la fin de 2016, puis a pris la direction de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, tout en rejoignant un cabinet des consultants en communication. Elle est aujourd'hui directrice des projets internationaux chez Ipsos Global Affairs, l'unité fondée par Najat Vallaud-Belkacem au service des institutions et ONG internationales. À vous la parole, Madame Morin.
manière, évidemment, de traiter le sujet des réseaux sociaux et de la démocratie. J'ai utilisé comme fil conducteur les fake news, dont il a déjà été question un petit peu auparavant, avec une approche qui est à la fois une approche d'analyse de l'opinion, puisque c'est ma fonction aujourd'hui chez Ipsos, et une approche d'acteur ou d'ex-acteur, notamment gouvernemental, confronté aux fake news et donc à la perversion du débat démocratique qu'elles peuvent représenter. La première fois que j'ai été confrontée à des fake news, donc je travaillais pour le gouvernement français, pour le Premier ministre en particulier, et je m'occupais d'analyser l'opinion et je contribuais à la communication. Et sur un certain nombre de projets de loi, je peux prendre l'exemple, puisqu'on a parlé de Najat Vallaud-Belkacem, avec qui je travaille aujourd'hui, de son projet de réforme des programmes du collège. On a été confrontés non seulement à une opposition extrêmement forte de l'opinion, mais en partie basée sur des faits faux. Et donc, on a déployé des efforts avec le service d'information du gouvernement assez important pour essayer de rétablir la vérité et de faire en sorte que l'opinion se base sur des faits réels, mais avec un succès assez limité. Et c'est à partir de là que, personnellement, j'ai commencé à m'interroger sur la question de pourquoi est-ce que les fausses nouvelles se répandent autant. Pourquoi est-ce que les gens sont amenés à y croire, à y adhérer et à les diffuser, et finalement, pourquoi est-ce que dans de plus en plus de pays, on passe de plus en plus de temps à débattre de ce qui est vrai et ce qui est faux, plutôt qu'à confronter des idées et des arguments. Et la conclusion à laquelle... Pourquoi ça marche pas ? La conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que... La conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que, évidemment, les fake news, c'est une manière de poser le problème du débat démocratique et du rôle des réseaux sociaux dans le débat démocratique, mais que ça peut aussi nous amener à avoir une vision partielle du problème et donc une réponse insuffisante. C'est-à-dire passer son temps, lorsqu'on est un gouvernement par exemple, ou n'importe quelle autorité ou entreprise qui essaye de communiquer, de se faire comprendre par le public, passer son temps à essayer de corriger ce qui est répandu comme désinformation sur les réseaux sociaux et ne pas s'interroger sur les raisons profondes de la diffusion et du fait que les gens croient et adhèrent en ces informations. Et la manière dont je pense les choses aujourd'hui, c'est que les fake news, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc c'est bien parce que ça nous permet de nous poser la question du rôle des réseaux sociaux dans le débat démocratique. Ça nous permet de poser évidemment la question de comment est-ce qu'on évite que ces fausses informations soient diffusées, comment on peut penser la régulation. Ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est il faut, à mon sens, aller bien au-delà de ça et penser les choses à partir des racines du mal et à partir des causes profondes, des raisons profondes pour lesquelles les débats sont biaisés. Je ne m'attarderai pas sur ce premier point, mais c'est un point qu'il est utile de mentionner, parce que on entend souvent que les fake news seraient nées avec les réseaux sociaux, alors que en réalité, c'est quelque chose qui, enfin, la rumeur et quelle que soit la manière dont on veut l'appeler, ça existe depuis très longtemps. Alors certes, les réseaux sociaux amplifient le phénomène.
ça permet de diffuser des informations à une vitesse vertigineuse, ça permet à tout le monde d'accéder à ces informations. C'est un processus d'industrialisation de la rumeur, en quelque sorte. Mais toujours est-il qu'il faut garder à l'esprit que le phénomène n'est pas nouveau. Et le premier point qui, à mon avis, est une des causes profondes de la propagation de rumeurs ou de fausses informations, c'est les erreurs de perception. Ce qu'on appelle chez Ipsos les perils of perception, c'est une des enquêtes qu'on fait dans une trentaine de pays depuis une dizaine d'années sur les phénomènes sociaux, les grands phénomènes sociaux et la manière dont ils sont perçus par l'opinion publique. Et c'est vrai que souvent on s'attarde uniquement sur les fake news ou les théories du complot et pourquoi est-ce que les gens croiraient à un complot ou pas. Et en réalité, tout ça est basé sur un certain nombre d'erreurs de perception qui vont bien au-delà des théories du complot. Quand on regarde un certain nombre de phénomènes sociaux, que ce soit par exemple le nombre de personnes immigrées dans une population, on se rend compte que la plupart du temps, l'opinion a une perception biaisée de cette réalité sociale. C'est vrai aussi, par exemple, sur les statistiques de la sécurité. La perception de l'opinion ne correspond pas à la réalité statistique. Et dans ce cas-là, lorsque la réalité statistique et la perception qu'on a l'opinion sont en décalage, eh bien, les gens ont nécessairement tendance à croire les informations qui vont dans le sens de leur perception réelle. Donc, par exemple, pour donner un cas concret, si on pense qu'il y a trop d'immigrés en France ou en Europe, eh bien, on va croire les chiffres ou les reportages ou les fake news accréditant cette thèse-là. Donc, ces erreurs de perception renvoient à la responsabilité n'est pas seulement celle de celui qui répand une fausse nouvelle, pour revenir aux fake news, mais elle est aussi dans le terreau sur lequel cette fake news prospère, et c'est-à-dire l'éducation et la perception citoyenne des grands phénomènes sociaux et des réalités sur lesquelles le débat public devrait se structurer. Je vous donne ici un exemple d'erreur de perception, mais je pourrais vous renvoyer. On a un site internet entier recensant toutes nos études depuis 10 ans sur les erreurs les décalages de perception en quelque sorte. Ici, c'était l'exemple de la perception du nombre de chômeurs dans un pays. Donc, on demandait aux gens, à votre avis, quelle est la proportion de chômeurs dans votre pays ? Et on se rend compte que le décalage est souvent très important. Et évidemment, il varie selon les pays, et c'est intéressant après d'aller pays par pays, explorer les raisons pour lesquelles on pense qu'il y a plus de chômeurs qu'en réalité, ou alors moins de chômeurs, ou ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on a rarement à l'esprit lorsqu'on est une institution publique ou une institution privée qui cherche à faire passer un message. On part rarement des perceptions existantes. On pense qu'on arrive avec des faits et des statistiques et que donc on a raison et que tout le monde va se rallier à la réalité puisqu'on a nos statistiques. Le deuxième facteur qui, selon moi, permet de dépasser le sujet des fake news et de poser la question des réseaux sociaux et de la démocratie de manière plus approfondie, c'est évidemment la société de défiance dans laquelle nous évoluons. Évidemment, la défiance varie selon les pays, mais c'est quand même une constante dans de très nombreux pays où nous faisons des études, que la plupart des autorités, qu'elles soient politiques, scientifiques, institutionnelles, ou médiatiques, sont frappés d'une défiance extrêmement profonde
qui fait qu'il est d'autant plus difficile, lorsqu'une fausse nouvelle est répandue, de la corriger et d'être crue. Et ce, d'autant plus que la plupart du temps, vous êtes ramené sur les réseaux sociaux, vous n'êtes qu'une source parmi d'autres. Finalement, la parole du Premier ministre ou la parole du Président vaut autant que celle du blogueur du coin, surtout quand le blogueur en question, vous le connaissez et que vous avez un mauvais jugement sur l'action du Premier ministre en question. Donc il devient très difficile dans cet univers-là, finalement, de lutter à armes égales et d'instaurer des conditions saines pour débattre. Donc là, je donnais l'exemple, par exemple, de la défiance. Vous avez une trentaine de pays. Je pense qu'on pourra faire circuler les slides pour que vous puissiez regarder davantage dans le détail, parce qu'on ne voit pas très bien. Mais donc, vous voyez une trentaine de pays. À gauche, c'est la défiance dans le gouvernement. Donc, vous voyez qu'elle est très importante dans la plupart des pays. Et à droite, c'est la défiance vis-à-vis des médias. Et donc, on voit bien ici à quel point c'est un phénomène qui varie selon les pays, mais qui est massif globalement. Il faut quand même noter, et là j'ai utilisé des données qui ne sont pas des données Ipsos, mais qui sont des données d'un baromètre Edelman de la confiance 2018. Il faut noter toutefois que selon les sources d'informations, la confiance n'est pas la même. Et que les journaux et les médias classiques, entre guillemets, ont plutôt meilleure presse, si je peux m'exprimer ainsi, que les réseaux sociaux, qui, eux, souffrent, notamment depuis toutes les polémiques qu'il y a eu depuis 2016 autour de Trump, et puis en France autour de... Enfin, on a eu énormément de fake news. Et donc, on voit bien que ça crée un différentiel de confiance, même si de manière globale, comme je le disais juste avant, il y a un problème de défiance à l'égard de l'ensemble des médias qui s'expriment. Je vais passer assez rapidement sur, j'avais pris l'exemple des États-Unis, mais par exemple, la proportion d'Américains qui déclarent avoir confiance dans la presse a chuté de 30 points depuis les années 70. Ça, c'est pour faire un comparatif historique, parce que c'est vrai que souvent on se demande, mais finalement est-ce que les gens n'ont pas toujours eu une défiance très marquée vis-à-vis de toutes les autorités? Et de fait, il y a eu une progression de la défiance dans la plupart des pays, et donc l'exemple des États-Unis est assez impressionnant. Et on a fait aussi par ailleurs une étude qui est aux États-Unis en 2016, qui est assez intéressante, où on testait en fait un certain nombre de fake news sur des citoyens. Et 75% des personnes qui reconnaissaient, qui avaient été soumises à une fake news, donc d'abord on leur demandait est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette information. Et s'ils disaient oui, on leur demandait s'ils la pensaient, et s'ils y croyaient. Et dans 75% des cas, c'était le cas. Donc on voit bien à quel point le sujet est important. Un autre élément qui me semble être fondamental pour aborder le débat autour des réseaux sociaux et de la manière de restaurer une certaine vitalité démocratique, c'est que, on le voit bien sur les réseaux sociaux, souvent ceux qui s'expriment ont des points de vue extrêmement binaires, extrêmement virulents, et on n'a pas de place pour la nuance, et il est très difficile d'arriver à des compromis. Et en réalité, ce phénomène de polarisation est certes exacerbé par les réseaux sociaux, mais on l'observe aussi dans l'opinion, au-delà des réseaux sociaux. Et une des raisons pour lesquelles on n'arrive plus à trouver du compromis et encore moins du consensus, c'est parce que des groupes, c'est parce que selon le groupe auquel on s'estime appartenir,
il existe d'autres groupes de personnes que l'on considère comme tellement étrangers que finalement il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a plus d'identification possible, il n'y a plus d'empathie possible. Et à partir du moment où il y a un tel déficit d'empathie, alors c'est vrai que ça varie énormément selon les pays, selon les cultures. Dans certains pays, c'est un déficit d'empathie vis-à-vis des personnes qui sont d'un bord politique opposé. Dans d'autres pays, ça peut être un déficit de compréhension et d'empathie vis-à-vis des personnes qui sont d'une religion différente. Dans d'autres pays encore, ça peut être simplement la question de est-ce que vous êtes immigré légal ou pas. Ça, c'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Et donc, selon l'identité que l'on se donne, on n'arrive plus à surmonter les différences et donc à construire un dialogue et parvenir à des compromis. Or, parvenir à des compromis, c'est la base du processus démocratique. Et enfin, dernier grand facteur qui me semble fondamental pour aborder ce débat, c'est notre relation aux fake news, aux informations. Nous avons réalisé il y a quelques mois une étude internationale, encore une fois dans une trentaine de pays, donc les chiffres que vous avez ici, c'est la moyenne d'une trentaine de pays, sachant que parmi ces pays, vous avez des pays d'Amérique du Nord, vous avez des pays d'Amérique du Sud, des pays d'Asie, et des pays d'Europe, et des pays d'Afrique. Donc, il y a une représentativité, même s'il faut toujours garder à l'esprit que dans certains pays, la pénétration d'Internet et du téléphone est moins grande que dans d'autres. Mais de manière générale, dans notre échantillon de pays, nous avons mis en évidence qu'il y a une forme de dissonance entre la conscience qu'on a des fake news et du problème que les réseaux sociaux représentent et notre propre capacité à préserver un sens critique et une certaine mesure dans le débat démocratique. Ce qu'on voit, en fait, c'est que la plupart d'entre nous pensons que les autres fonctionnent dans des bulles fermées, entre amis, ne sont jamais confrontés à des opinions contraires, etc. Mais que nous, tout va bien. On n'est pas enfermé dans une bulle, on est tout à fait ouvert, etc. On voit aussi que la plupart des gens se disent « Non, non, mais moi, les fake news, ça va, j'arrive à les identifier. » Par contre, c'est vrai que mes concitoyens, ils se font avoir systématiquement. Et enfin, la plupart se disent que dans nos sociétés, on se soucie de moins en moins du vrai et de la véracité des faits sur lesquels on base nos débats. Mais en réalité, l'étude que je citais tout à l'heure montre que la plupart des gens aux États-Unis en 2016 tombaient dans le panneau des fake news. Tout ça pour dire que pour une autorité publique qui chercherait à sensibiliser l'opinion, il ne s'agit pas seulement de dire attention aux fake news, il s'agit de faire prendre conscience à chaque citoyen et débatteur que son sens critique est moins important que ce qu'il croit et que probablement qu'il doit rentrer dans une forme de questionnement permanent sur son usage de l'information, sur son usage des réseaux sociaux et sur son rapport au débat démocratique. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire, d'amener quelqu'un à se remettre en question en permanence. Et c'est d'autant plus compliqué lorsque, par ailleurs, on est un gouvernement, une autorité scientifique ou un média qui est décrédibilisé, entre guillemets, dans l'opinion. Donc, tout ça pour dire que souvent le débat se résume à les fake news et la réponse ce serait le fact-checking que les journalistes font à juste titre et de mieux en mieux. Mais en réalité, ce seul sujet-là
ne permettra ni de restaurer la confiance dans la plupart des institutions qui sont censées émettre des vérités ou au moins des éléments susceptibles de servir de base au débat public. Et ça ne tient pas non plus compte du fait qu'il faut amener les citoyens à adopter un mode de fonctionnement vis-à-vis de l'information qui les pousse à se remettre en question sans cesse. Donc, le but de mon intervention, c'était de nous amener collectivement à réfléchir au-delà du problème de la régulation, dont on a bien vu qu'il était indispensable, mais que souvent, il est arrivé un peu après l'évolution des comportements, l'évolution des usages ou l'évolution des technologies, aller au-delà pour poser la question de la culture démocratique et de l'éducation et travailler en profondeur sur les racines du problème démocratique auquel nous sommes, la plupart des pays aujourd'hui sont confrontés. Avec une difficulté et une question sur laquelle je vais terminer, c'est quand on travaille sur l'éducation et sur l'information du citoyen autour de ces questions-là, comment faire en sorte de renforcer l'esprit critique tout en n'accroissant pas la défiance. Parce que la plupart du temps, la limite entre l'un et l'autre, finalement, est assez floue. Merci, madame. Merci, madame, pour cet exposé qui relate un peu les fake news qui sont très influents aujourd'hui sur notre société. Alors, nous avons commencé par une chercheure au niveau de l'Université de Bruxelles en Belgique. Nous allons terminer avec un chercheur au niveau d'une université en Belgique, mais cette fois-ci la KUL. Et là, je parle du docteur Brendan Val Ansenoy, conseiller juridique de l'autorité de protection des données à caractère personnel en Belgique, qui va nous parler du ciblage de l'électorat, défi, pour les droits fondamentaux et la protection des données à caractère personnel. À vous la parole. Bonjour, le dernier avant la pause café, après l'heure de midi, je vais essayer de vous animer un peu. Ce qui va aider, c'est mon accent, parce que je viens de la Belgique, je parle un peu le français, mais je suis du côté flamand, donc ce n'est pas du tout ma langue maternelle, donc si je commets des erreurs, merci d'avance de vouloir m'excuser. D'accord, donc... Comme peut-être vous le savez, en Belgique, il n'y a plus de gouvernement pour l'instant. La raison, la crise gouvernementale autour du pacte onusien sur la migration. Bien sûr, je ne suis pas ici pour faire une autopsie de l'ancien gouvernement fédéral, mais je voudrais commencer par m'attarder sur un moment précis dans la chute de notre gouvernement. On est le 4 décembre 2018. Alors que les relations entre les partis au pouvoir atteignent un point d'ébullition, un des partis majoritaires lance une campagne contre le pacte onusien via Facebook avec des images saisissantes. Selon le parti, le pacte ne fait pas de distinction entre migration légale et illégale. Il rend difficile le retour des clandestins et met trop l'accent sur la préservation de la culture des migrants. La campagne fait froncer les sourcils de divers politiciens, y compris celui de la majorité. Et cette campagne Facebook a été retirée le jour même sous la pression politique. Mais c'était bien sûr pas la première fois que un des partis politiques belges fait froncer les sourcils. Rappelons la fois où un autre parti faisait l'objet d'une controverse quand un journaliste avait constaté que des milliers de ces des Facebook likes ne provenaient pas de la Belgique, mais de l'Inde. Même si le parti en question avait expliqué que c'était le résultat d'une erreur humaine et non d'un acte délibéré,
Cette petite anecdote nous invite quand même à une réflexion quant à l'importance de la popularité ou bien la popularité perçue d'un parti politique sur les réseaux sociaux. Effectivement, de temps en temps, on voit même des classements qui montrent quel parti a pour l'instant le plus grand nombre de followers ou de likers sur les réseaux sociaux. Le premier intervenante soulève l'importance du capital social. Bon, la campagne Facebook que je viens d'invoquer au début de mon intervention, c'était pas, il n'y avait pas une corrélation directe avec le chute du gouvernement belge. Cependant, ces petites anecdotes démontrent l'importance que les réseaux sociaux ont pour les partis politiques en communiquant ou en essayant de communiquer leur message à l'électorat. Et donc, mon intervention consiste un peu à examiner le risque, mais on a déjà parlé trop. Non, pas trop. On a parlé déjà beaucoup des risques. C'est très important de parler des risques, mais je veux focaliser plutôt sur l'aspect réglementation données à caractère personnel et les possibilités ou les pistes possibles d'amélioration que ces réglementations peuvent apporter. Mais là aussi, il faut constater que même par rapport à cette réglementation-là qui cherche à donner une protection importante, il y a aussi certains défis. Afin de terminer mon intervention sur une note un peu plus optimiste, je présenterai quelques initiatives récentes qui tendent à atténuer ces défis ou au moins de contribuer à des pistes d'amélioration. En ce qui concerne les risques pour les droits fondamentaux des personnes concernées, il y a à mon avis quatre types de risques qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Tout d'abord, il y a les risques qui sont liés à la protection des données à caractère personnel en tant que telles. Le ciblage des utilisateurs de réseaux sociaux peut impliquer l'utilisation de données personnelles allant à l'encontre des atteintes raisonnables des individus, notamment les activités de profilage qui alimentent le ciblage peuvent impliquer une inférence d'intérêt ou d'autres caractéristiques que la personne n'a pas révélées activement, ce qui compromet sa capacité à exercer un contrôle sur ses données personnelles. Ensuite, il y a le risque de la perte d'un discours politique partagé. Certes, les campagnes politiques ont toujours cherché à influencer avec des messages évoquant l'électorat, mais les mécanismes de ciblage permettent aux partis politiques de viser des électeurs avec des messages individualisés qui correspondent à leurs propres intérêts et leurs propres valeurs. En d'autres mots, le discours politique, ce n'est pas l'affiche que tout le monde, la même affiche que tout le monde voit dans la rue, mais c'est une affiche qui est tout à fait personnalisée. Le ciblage peut encore aller plus loin et utiliser aussi des outils de désinformation qu'on vient de soulever ailleurs. Et on peut en faire de sorte que ce message, vrai ou faux, commence à exploiter les caractéristiques psychologique, émotionnel des personnes concernées pour évoquer une réaction particulière, ce qui à terme bien sûr mène aussi à une polarisation potentielle du débat public. Alors, est-ce que la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, la RGPD en Europe, ne donne-t-il pas un cadre juridique suffisant? Il est sûr qu'il offre une base de protection importante. Mais il faut quand même admettre que l'RGPD n'offre pas une solution exhaustive. En plus, les pratiques de ciblage sur les réseaux sociaux soulèvent des questions importantes quant à l'interprétation du cadre légal existant en tant que tel. Donc, tout d'abord, il y a les problèmes qui sont liés à la perte de la transparence. Pour l'individu, même s'il se réalise que le message montré sert à influencer son comportement, il ne se rend pas toujours compte que le message qu'il voit puisse être adapté en fonction d'un profilage approfondi de sa personnalité. Ce phénomène n'est pas limité au ciblage électoral, on voit aussi dans les pubs commerciales tout le temps, mais évidemment il est évident que la dimension démocratique augmente l'importance des mécanismes de transparence appropriés. Et à cet égard, il faut constater que les mécanismes de transparence qui sont nécessaires vont
au-delà ou sont plus élaborées ou d'une autre nature que les mécanismes de transparence qui sont prévus dans les législations comme la RGPD. Ensuite, il y a le problème de ce que j'aimerais appeler l'évaporation des responsabilités. Donc la RGPD part d'une responsabilité pour chaque organisation traitant des données à caractère personnel. Cette responsabilité est assez claire quand une organisation traite des données de manière isolée. Mais les traitements sont presque jamais isolés. Le ciblage des individus sur les réseaux sociaux soulève des questions fondamentales quant à la répartition appropriée des responsabilités parmi ceux qui ciblent d'un côté et ceux qui supportent ou permettent le ciblage de l'autre. Le problème, c'est qu'en l'absence d'une clarté juridique, il y a un risque réel qu'aucun des acteurs ne fasse ce qui est nécessaire pour assurer une protection effective et complète des personnes concernées. Bon, puis après, il y a aussi des questions juridiques d'interprétation qui se posent par rapport à la notion de données sensibles qui bénéficient d'une protection augmentée. Et il y a une interdiction de principe pour le traitement de ce type de données, sauf des exceptions limitativement prévues par la législation. Mais là aussi, quant au ciblage, on doit constater qu'il ne faut pas toujours utiliser ce type de données protégées, ce type de données interdites de manière directe. Il suffit très souvent d'utiliser des autres données qui semblent à première vue d'être anodines, de leur utiliser afin d'influencer ou peut-être même manipuler l'électorat. Et la question très liée à la répartage des responsabilités, c'est la question comment est-ce qu'on va gérer les risques? Comment est-ce qu'on va gérer les risques qui ne sont pas limités à une organisation, mais en fait à un système des acteurs qui interagissent? Bon, j'avais promis de terminer mon intervention sur une note un peu plus optimiste. Donc je vais brièvement mentionner quelques initiatives actuellement en cours ou récemment pris en Europe par rapport aux risques et les défis que je viens de soulever. Donc tout d'abord, il y a les initiatives nationales, les enquêtes par les autorités de contrôle, l'enquête la plus emblématique dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est l'affaire Cambridge Analytica, où le Royaume-Uni, l'autorité de contrôle du Royaume-Uni a mené une enquête très 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 extensive et très informative concernant la pratique des différents partis politiques, mais notamment aussi les usages des données qui ont été faits par l'entreprise Cambridge Analytica pour notamment créer des profils psychométriques afin de manipuler l'électorat. Puis aussi au niveau de l'Union européenne, la Commission a saisi un peu le mouvement, cette prise de conscience collective qui a eu lieu suite aux révélations Cambridge Analytica et a commencé de proposer des mesures pour augmenter la coopération entre les autorités de contrôle, protection vie privée nationale et les autorités compétentes pour contrôler les processus électoraux. Et donc là, mais si je comprends, j'ai bien compris, c'est malheureusement limité pour les élections européennes. Il prévoit que donc là où il y a un abus de données, donc une violation des règles concernant la protection des données à caractère personnel, qui a été mise en œuvre notamment pour influencer l'électorat, il y a une possibilité pour des sanctions supplémentaires qui peuvent aller jusqu'au 5% du fonds que le parti politique reçoit, et peut-être même une suspension de ce fonds. Et finalement, au niveau EDPB, le nouveau comité, ou le successeur du groupe G29, il y a un groupe de travail sur les réseaux sociaux dont j'ai l'honneur d'être parmi les coordinateurs. Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est de développer des lignes directrices qui cherchent notamment à clarifier les responsabilités.
parce que les questions sont bien essentielles. Les partis politiques, même que, de même que toute autre entreprise qui utilise les réseaux sociaux pour cibler des messages, ils disent, bon, moi, je n'ai pas de contrôle sur le mécanisme de profilage sous-jacent. Et d'autre côté, les réseaux sociaux, ils disent, ouais, mais moi, je n'ai aucun contrôle préalable par rapport à la message diffusée. J'ai aucun contrôle par rapport à le profilage qui a été qui a précédé. Mais donc, on cherche tout d'abord de clarifier les partages de responsabilités et aussi de contribuer à une délignation des pratiques acceptables ou non acceptables en termes de ciblage des utilisateurs réseaux sociaux. Je vous remercie. Donc, ainsi s'achèvent les quatre interventions de ce deuxième panel, de cette deuxième session. Alors, il nous reste quelques minutes, on va dire 15 minutes si vous voulez, quoiqu'on a dépassé un peu le temps, mais ce n'est pas grave. Pour des questions, ils sont à vous. Alors, moi je commencerai par dire, est-ce qu'effectivement les réseaux sociaux dérangent la démocratie? Alors, s'il y a quelqu'un qui répond à cette question... Est-ce qu'aujourd'hui on sent que les réseaux sociaux sont en train de déranger la démocratie? Est-ce qu'on a un baladeur ici? On va voir s'il est là. Il est là. Alors on va le nommer. Ça marche. Merci. Non, ce que je voulais. On peut s'interroger, à mon avis, est-ce que c'est les réseaux sociaux en tant que tels qui sont en train de mettre en péril la démocratie, ou est-ce que c'est les mécanismes qui l'accompagnent? Est-ce que c'est les mécanismes de potentiellement de ciblage qui sont axés sur une surveillance assez vaste du comportement des individus? Est-ce qu'il y a aussi certaines caractéristiques humaines que les autres intervenants ont soulevées qui fait que, bon, tu fais une sorte de tu cherches à avoir le plus grand capital social que possible, donc tu commences à avancer des positions qui sont peut-être susceptibles d'attirer plus de visibilité, plus de capital social, mais qui ne sont pas nécessairement la contribution nécessaire au discours démocratique. Oui. Madame Hamel. Merci. Moi, j'étais interpellée par deux choses qui ont été dites pendant les présentations. J'aurais du mal à vous dire qui a dit quoi, en fait. Ça s'est un peu mélangé dans ma tête. Mais j'aime bien l'idée de l'évaporation des responsabilités. Et ça, c'est quelque chose... Il y a un débat autour de ça. Comment peut-on responsabiliser les fake newsers, en fait? Donc, est-ce qu'un journaliste qui écrit n'importe quoi, on va l'attaquer? Enfin, on peut l'attaquer et puis avoir gain de cause. Quelqu'un qui envoie n'importe quoi sur les réseaux sociaux, aujourd'hui... Ben, en fait, il n'y a pas de poursuite, vraiment. Alors, il y a l'aspect technique, du fait de savoir d'où vient le tweet, ou d'où vient le... Mais je pense que techniquement, aujourd'hui, on est capable quand même de remonter les sources assez loin pour savoir qui envoie quoi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la traçabilité. C'est que, en fait, vous avez dit tout à l'heure, je crois que c'est vous, Chloé, qui avez dit ça, on ne peut pas lutter à armes égales. Non seulement tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais en plus... Lorsque vous envoyez un tweet, ce sont vos followers qui le reçoivent. Lorsque c'est quelqu'un d'autre qui essaie de rétablir la vérité, ce sont ses followers qui reçoivent le tweet. Donc, vous ne vous adressez pas aux mêmes
followers. Et donc forcément, il est impossible de rétablir quoi que ce soit dans ce contexte-là. Donc ma question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'avoir des techniques de traçabilité sur ces types de réseaux? Lorsqu'on diffuse une fake news, ben, on peut contrebalancer la vérité sur le même, disons, avec les mêmes propagations dans le réseau. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire emprunter les mêmes chemins de diffusion. Voilà. Merci. Qui va prendre? C'est Chloé qui va répondre, je crois. Madame Chloé Morin. Attends, là, madame. Alors, je n'aurai pas de réponse technique à la question, mais pour aller dans votre sens, lorsque Trump a été élu, vous devez vous souvenir que le livre 1984 de Orwell a connu un nouveau succès. Parce que justement les gens se disaient est-ce qu'on est à la veille d'une ère du contrôle par une autorité malveillante et d'un contrôle généralisé. Et il me semble que le problème c'est bien davantage s'il fallait s'inspirer d'une théorie ou d'un livre, il faudrait plutôt aller chercher du côté de Aldous Huxley et qui disait qu'en gros, on n'aurait pas besoin de brûler les livres parce que plus personne ne voudrait les lire de toute façon. Et c'est bien ça le sujet aujourd'hui, c'est faire prendre conscience et créer une véritable citoyenneté numérique en quelque sorte. Et c'est d'autant plus difficile qu'on a par ailleurs une crise de la citoyenneté dans de nombreux pays, de la citoyenneté réelle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on sait très bien, je prends le cas de la France, mais c'est vrai dans de beaucoup d'autres pays, qu'il y a de moins en moins de gens qui votent, de moins en moins de gens qui considèrent que l'acte de voter a des conséquences et qui souscrivent en fait aux règles du jeu démocratique. Je ne sais plus qui a cité tout à l'heure les gilets jaunes. C'est un exemple qui est très intéressant à de multiples égards, mais notamment parce qu'il conteste l'idée même de représentation qui est la base en fait de la démocratie et ce qui leur pose d'ailleurs actuellement quelques problèmes. Et donc je ne réponds pas à votre question, mais je vais plutôt dans votre sens. Et là, juste pour finir une remarque, la difficulté, lorsqu'on est une autorité gouvernementale ou quelle que soit la forme d'autorité d'ailleurs, et qu'on souhaite lutter contre les fake news ou les théories du complot de manière plus spécifique, c'est que l'acte même de... chercher à rétablir la vérité ou empêcher la diffusion de théories du complot, conforte les complotistes. Et donc, le problème, c'est pas seulement comment, mais qui. C'est-à-dire, qui aurait l'autorité pour et la crédibilité pour agir contre les gens qui répandent, par exemple, des théories du complot. Merci. Donc il y a quelqu'un qui a déjà le micro, vous avez la parole. Oui, merci. Ftouak Rachid de la Trésorerie Générale du Royaume. Peut-être je vais enchaîner sur la question du professeur Sahbi pour poser un questionnement d'ordre post-vérité, comme vient d'intervenir notre éminent professeur de la Mauritanie. S'agit-il d'un phénomène sain? S'agit-il d'un processus irréversible? S'agit-il d'un processus inachevé? S'agit-il d'un courant incernable? Merci. Merci. Donc, Serdullah. Excusez-moi, moi je crois qu'il s'agit essentiellement d'une grande révolution. Une révolution en matière d'information, une révolution culturelle et une révolution de deux modes de transmission de savoir. Je crois que c'est un grand défi qui est posé aujourd'hui à l'humanité et qui demande une certaine régulation
Madame Taller a parlé d'une citoyenneté numérique. Moi, je crois que quand on a à l'esprit ce qui s'est passé au 18e siècle avec la révolution industrielle, ça a demandé quand même 2 siècles pour pouvoir élaborer la régulation politique nécessaire qui était la démocratie pluraliste. Je crois que nous sommes devant un défi similaire. Et certainement, il y aura certainement la pensée humaine va élaborer les réponses utiles pour ce grand défi. Je crois que c'est ça l'essentiel. Que c'est que dit Marx, que l'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Merci. Je prendrai 2-3 interventions maximum, mais je termine. C'est Ali Ahitouf. On nous racontait ce qu'on voulait des fois et on n'avait pas le moyen d'enchaîner et d'envoyer des réponses. Donc, je prends l'exemple des Gilets jaunes en France, je crois que c'est un exemple c'est un vrai exemple d'école parce que les politiques venaient dans les médias, ils disaient ce qu'ils voulaient, personne dans les citoyens n'avait de quoi répondre. Sinon, la presse écrite, des fois, si elle acceptait de publier les... L'existence des réseaux sociaux, c'est un moyen pour dire non. C'est peut-être des fake news des fois, mais ça permet aux gens de réfléchir. Ça permet de contrebalancer les contre-vérités. Et on a eu beaucoup. Je crois qu'on a vécu depuis les années 90 des événements graves, à des fausses nouvelles, mais on n'a pas vu les fake newsers écrire, etc. Alors que les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui de le dire et de dire stop. Stop, je prends le cas de l'exemple marocain dernièrement, pour ce personnage de Marrakech, pour qui on a publié les identités. Moi, je crois que même si on a assisté à la publication de son identité, dans les réseaux sociaux, on a vu des gens se lever et dire « Arrêtez, c'est pas possible. Il faut contrebalancer ça. » Et donc, moi, je trouve que cette fauda, comme on dit en arabe, en français, voilà. Cette anarchie des réseaux sociaux va aboutir de toute façon à être canalisée à un moment donné, mais c'est le droit aux citoyens de répondre et de dire arrêtez, ne nous racontez pas ce que vous voulez. Et je vous remercie. Merci de d'avoir demandé comment ça s'appelle FODA en français. Et tout le monde a répondu, ça veut dire qu'il vous suivait, ça veut dire qu'il y a encore une très très bonne attention. Alors, je vais compléter par une dernière question, je crois elle était de fond. Madame, qui a la 6e rangée, vous levez la main pour qu'on puisse vous donner le micro. Voilà. Alors, s'il y a une dernière question, je la prends. Hein, comme je me dis, je m'arrête dans 55. Bonsoir à tous. Je pense que les réseaux sociaux ont eu la pertinence au moins de poser aujourd'hui l'obligation de redéfinir ce que c'est que la démocratie, alors qu'elle était un socle universel défini sur des permanentes et des constantes universelles. Aujourd'hui, je pense qu'il est question de la redéfinir de façon tout aussi universelle, du fait au moins que les citoyennetés ne sont plus configurées dans des territoires géographiques, mais que les distances deviennent de plus en plus poreuses, les accessibilités aussi, et qu'aujourd'hui, effectivement, il est question de redéfinir ce que c'est que la démocratie, et qu'il est pertinent de le constater sur un plan universel, pas uniquement sur des territoires ou alors des démocraties avancées, qui sont aujourd'hui aussi en ébullition. Il y a eu des reconfigurations historiques qui font qu'aujourd'hui, on redéfinit les choses de manière assez verticale. Et le Maroc doit aussi, et c'est une opportunité également pour définir ce que c'est que notre démocratie, à nous, et surtout, et puisque c'est le cas encore partout dans le monde, de se prendre les outils, de se définir également les outils de sa compétence citoyenne. Parce que démocratie veut aussi dire compétence citoyenne qui n'est pas du tout, alors pas suffisamment, débriefé sur un autre plan méthodologique. Deuxièmement, je souhaiterais aussi parvenir à
disons, a balancé l'idée sur une autre réflexion, qui est que les réseaux sociaux ont créé cette interpénétration entre société civile et gouvernement. Quelque part, les partis politiques aujourd'hui ne jouent que le rôle d'intermédiation, et que même le rôle en soi du gouvernant ou alors de la gouvernance doit être redéfini à ces temps-là. C'est-à-dire que l'exemple des Gilets jaunes est absolument fascinant de ce point de vue. Et je recadre encore par rapport au Maroc. Très souvent, alors on le constate pour hashtag MeToo, on le constate pour l'affaire Weinstein. Après cela, il y a eu des lois effectivement qui y ont imposé, c'est-à-dire qu'il y a eu interpénétration entre la voix de la société civile qui s'est exprimée par les réseaux sociaux, qui a créé des conséquences de comportement et qui interférait sur d'autres conséquences législatives. Au Maroc, chez nous, on est encore un petit peu loin de cela, c'est-à-dire que nos réseaux sociaux s'activent, et là on est sous l'influence, effectivement, sur l'influence universelle, sauf que, bon, très rapidement, il y a encore, ça fait pchit, comme diraient certains, justement, là encore, la question de la compétence citoyenne, elle est à reconduire. Merci. Merci. Alors, je vais appeler Ibrahim Bouhabid Vachijihdaya, parce que j'aimerais bien que vous l'entendiez aussi, c'est le rapporteur. Il va dire un petit mot. Mandik Majgoul. Pour moi, les autres ateliers, il n'y a pas eu de rapport qui a été... Par rapport, un petit mot. Je sais, le rapport, on va le faire après. C'est ça, voilà. C'est un petit mot, c'est un tout petit mot. C'est pas non, je ne veux pas de... D'accord. Très bien, donc c'est Bouhabid, voilà, tu marches, tu vois. C'est Ibrahim... Alors, je réponds à Madame Hamel pour dire que quand on a une information qui circule dans le sens inverse, ça devient très difficile. Pour donner l'exemple tout simplement de la distance qui sépare lundi à samedi, si vous le prenez du lundi à samedi, ça fait 5 jours peut-être. Si vous c'est le même chemin. Non, pas rebrousser. Oui. Faire le même chemin. De Rabat à Fès et de Rabat à Fès. Pas de Rabat à Marrakech. Non. Je dis de lundi à samedi, ça ne fait pas de samedi à lundi le même nombre de jours. C'est ça ce que je voulais dire. Donc il y a des fois où quand vous avez le média annonce une information, que ça soit vrai ou faux, pour en fait la contrarier, ça devient très difficile. Sur ce, vous êtes invité à une petite pause de café pour reprendre à la session numéro 3, Inch'Allah.